Que je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je me suis point mariée avec toi pour souffrir tes frodènes. Ah, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Ouais, il y a un peu la Bilam avec son bonnet d'Aristote. Oui, Bilam, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou qui est fait. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons-la ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons. Et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti! J'en bois une partie. Tu me vends pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? De vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et boire? Pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec toute ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Ils me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme allant tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme? Vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? 12 objets de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai! Sac à main! Je vous rosserai! Infâme! Je vous étrierai! Prêtre, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, marot, valet! Ah, vous en voulez donc! Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Oh là, oh là, fille, qu'est-ce que c'est? Quelle infamie! Peste-toi le coquin de battre ainsi sa femme!
Et je veux qu'il me batte, moi. Oh, j'y consens tout mon cœur. De quoi vous mêlez-vous? J'ai tort. Est-ce là votre affaire? Vous avez raison. Voyez-en un peu, c'est impertinent qui veut empêcher les maris de battre leurs femmes. Je me rétracte. Qu'avez-vous à voir là-dessus? Rien. Et ça vous dit mettre le nez? Non. Mêlez-vous de vos affaires. Il me plaît d'être battu. D'accord. Je pense à vos dépens. Il est vrai. Et vous êtes un sot de venir vous foirer où vous n'avez que faire. Compère, je vous demande pardon de tout mon cœur. Faites rosser, battez autant qu'il faut votre femme. Je vous aiderai s'il le faut. Il ne me plaît pas, moi. C'est une autre chose. Je la veux battre si je veux, et il ne la veut pas battre si je ne veux pas. Il est fort bien. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Vous n'avez rien à me commander. D'accord. Je n'ai que faire de votre aide. Fort bien. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer les affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron... Cicéron. Oui, Cicéron. Dit qu'entre l'arbre et le doigt, il ne faut pas mettre l'écorce. Oh ça, faisons la paix, nous deux, Touche, là. Oui, après m'avoir ainsi battu. Fui, c'est une bagatelle, Touche. Je ne veux pas. Hé. Hey, non. Ma petite femme. Quoi? Allons, te dis. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non, je veux être en colère. Fui, c'est une bagatelle, Touche. Laisse-moi, là. Touche, te dis. Tu m'as trop maltraité. Eh ben, va, je te demande pardon. Mets-la ta main. Je te pardonne. Mais tu me le paieras. Tu es une folle de prendre garde à cela. Ce sont choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Oh, et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 de fagots. Ah, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon ressentiment. Et par gain, j'avons pris là tous deux une gueule de commission. Et je ne savons pas, moi, ce que je pense attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt l'un et l'autre à la santé de sa fille, notre maîtresse. Oui, il faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Mais que fantaisie s'est-il bouté là dans la tête? Puisque les médecins y avons tous perdu leur latin. On trouve quelquefois à force de chercher ce qu'on ne trouve pas d'abord. Et souvent en de simples lieux. Ces coups de bâton me reviennent au cœur. Je ne saurais les digérer que je... Oh, messieurs, je vous demande pardon, je ne vous voyais pas. Et je cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde. Et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire. Et nous cherchons quelque habile homme, quelque médecin particulier, qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire. Et c'est ce que nous cherchons. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? C'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quinteux, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu d'une façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée, et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eu du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable. Que tous les hommes les plus savants ont toujours du caprice. Quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire. Car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout. Qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin s'il se le met en fantaisie. Que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la face qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous ennuisons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai. Mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il?
Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui a une petite barbe et qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune avare? Ça donne le médecin des paroquets. Oh, ma foi, c'est assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Voilà du bois qui est salé comme tous les diables. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le... Comment? C'est un homme qui fait des merveilles. Il n'y a pas 6 semaines qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte, il y avait déjà 6 heures, et l'on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on fit venir, de force, l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit, et se mit aussitôt à se promener dans la chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras et les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta par tout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire. Et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Hé, Tétigueux, voilà justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite le chercher. Nous vous remercions bien du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgan, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Allons, morbleu, pourquoi t'engendrer une mélancolie? Ah, ma petite friponne, que je t'aime, mon petit bouchon. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Mais mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours remplis. Bouteille mamie, pourquoi vous videz-vous? Voici quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. C'est lui? Je pense que vous dites vrai, et que j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Lève-la tout craché comme on nous l'a défiguré. Ah, ah. Ah, bouteille mamie. Quel diable? À qui en veulent ces gens-là? Il consulte en me regardant, quel dessein aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein, quoi? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. Oh, ce cas, messieurs, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, vous êtes dessus? Voilà des gens bien pleins de cérémonie. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Il est vrai, messieurs, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Oh, monsieur... Je les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends 110 sols le sang. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets, je ne saurais les donner à moins. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela.
Monsieur s'est se moqué que... Non, monsieur, je n'en puis rien rabattre. Parlons d'autre façon, de grâce. Vous en pourrez trouver autre part à moi. Il y a fagot et fagot. Mais pour ce que je fais... Monsieur, laissons là ce discours. Non, je vous jure, vous ne les auriez pas s'il s'en fallait un double. Et fi! Non, en conscience, vous périssez là. Je vous parle sincèrement et ne suis point homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'un homme comme vous s'amuse à ses grossières fins, s'abaisse à parler de la sorte, qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterré les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage n'a sert à rien. Et je savons ce que je savons. Bah, que me voulez-vous dire? Pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Pour un grand médecin. Un médecin vous-même? Je ne le suis point et ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qu'il tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage, et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi? À de certaines choses dont nous serions mariés. Parblemenez-en à ce qui vous plaira. Je ne suis pas médecin, je sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Et tant pis, galanti, pour les points davantage, qu'on faisait la franque que vous êtes médecin. Enrage! Mais à quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toute sa frême là? À quoi que ça vous sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non. Vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut donc s'y résoudre. Monsieur, je suis tout ce qui vous plaira. Tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? En quoi bon nous bailler la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma figure, j'en suis fâché, franchement. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Le diable emporte si je le suis. Il n'est pas vrai que vous soyez médecin. Non, la peste m'étouffe. Monsieur, je suis médecin! Monsieur, je suis médecin. Petit guerre même, si vous le trouvez bon. J'aime mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, ouais. Voilà qui va bien. Monsieur, je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Monsieur, je vous demande pardon de toute mon âme. Je vous demande donc excuse de la liberté que j'avons prise. Ouais, serait-ce bien moi qui me tromperais? Et serais-je devenu médecin sans m'en être aperçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de vous montrer ce que vous êtes, et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais messieurs, dites-moi, ne vous trompez-vous pas vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma figure. Tout bon? Sans doute. Diable emporte si je le savais. Comment? Mais vous êtes le plus habile médecin du monde. Un médecin qui a garé je ne sais combien de maladies. Tu Dieu! Une femme était tenue pour morte, il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsque vous, avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans se laissait choir du haut d'un clocher en bas. De quoi il eut la tête, les jambes et les bras cassés. Et vous, avec je ne sais quel onguent, vous fîtes qu'aussitôt il se relevit sur ses pieds et s'en fut joué à la fossette. Diantre! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous. Et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais? Oui. Oh, je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en souviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ben ma foi, je ne l'ai pas trouvé. Il aime à rire. Allons, monsieur. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela. Oh, vous. Voilà où je mets mes julepes. Vous, marchez là-dessus. Par ordonnance du médecin. Pas le sanguin, voilà un médecin qui me plaît. Je crois qu'il réussira, car il est bouffon. Thank you.
crois que vous serez satisfait. Et nous vous avons amené le plus grand médecin du monde. Eh, Morgan, il faut tirer l'échelle après Stila. Et tous les autres, ils sont pas dignes de lui déchausser les souliers. C'est un homme qui a fait des cures merveilleuses. Qui a guéri des gens qui étaient morts. Il est un peu capricieux, comme je vous ai dit. Et il y a des moments où son esprit s'écharpe et ne paraît pas ce qu'il est. Oui, il aime à bouffonner. Et l'on dirait parfois, ne vous en déplaise, qu'il a quelques petits coups de hache à la tête. Mais dans le fond, il est toute science. Et bien souvent, il dit des choses tout à fait relevées. Quand il s'y boute, il parle tout fin vrai, comme s'il lisait dans un livre. Sa réputation s'est déjà répandue ici. Et tout le monde vient à lui. Oh, je me meurs d'envie de le voir. Faites-le moi vite, valise. Je le vais guérir. Justement ce qu'on fait les autres. Je pense que ce serait que si, que mi. Et que la meilleure médecine que l'on pourrait bailler à votre fille, ce serait, selon moi, un bio et bon mari pour qu'elle ait de l'amitié. Ouais, nourrice mamie, vous vous méritez bien les choses. Taisez-vous, notre ménagère Jacqueline. C'est pas à vous à bouter la votre nez. Je vous dis, et vous tous, que tous ces médecins-là n'y font rien que Dieu clair. Que votre fille a besoin d'autre chose que de l'humaine et de ses nez. Et que Marie est une emplante qui guérit tous les maux des filles. Et qu'elle en est à maintenant qu'on s'en voulait charger avec l'infirmité qu'elle a. Et lorsque j'étais dans le dessein de la mariée, c'était pas opposé à mes volontés. Je crois bien, voulez-vous y voyer un homme qu'elle aime point? Que lui donniez-vous ce monsieur Lyon qui lui tint au cœur? Elle aurait été fort obéissante. Et je m'en vais gager qu'il a prendre la vie comme elle est si vous la lui vouliez donner. Oh, ce Léandre n'est pas ce qu'il lui faut. Il n'a pas du bien comme l'autre. Il a un oncle si riche, dont il est hériqué. Tous ses biens à venir me semblent autant de chansons. Oh, il n'est rien de tel que ce qu'on tient. Et l'on court risque de s'abuser lorsque l'on compte sur le bien qu'un autre vous garde. Oh. Enfin, j'ai toujours ouï dire qu'en mariage comme ailleurs, contentement passe richesse. Les pères et mères ont cette maudite coutume de demander toujours « Quand-y, quand-elle ?» On n'a que son plaisir en ce monde. Et j'aimerais mieux voyer à ma fille un mari qui lui fut agréable que toutes les rentes de la violence. Est-ce, madame la nourrice, comme vous dégoisez? Saisez-vous, je vous prie. Vous prenez trop de soin. Et vous échauffez votre lait. Et Morgan, tais-toi, t'as une impertinente. Monsieur n'a que faire de tes discours, et il sait ce qu'il a à faire. Mais elle doit te donner à têter à ton enfant sans t'en faire la raisonneuse. Monsieur est le père de sa fille, peut-être. Il est beau et sage pour voir ce qu'il y faut. Ah, tout. Monsieur va un peu la mortifier et lui montrer le respect qu'elle vous doit. Oui, mais ces gestes ne sont pas nécessaires. Monsieur, préparez-vous. Voici notre médecin qui entre. Monsieur, je suis ravi de vous voir chez moi et nous avons besoin de vous. Hippocrate dit que nous nous couvrions tous deux. Hippocrate dit cela? Oui. Dans quel chapitre, s'il vous plaît? Dans son chapitre des chapeaux. Puisqu'Hippocrate le dit, il le faut faire. Monsieur le médecin, ayant appris les merveilleuses choses... À qui parlez-vous de grâce? À vous. Je ne suis pas médecin. Vous n'êtes pas médecin? Non, vraiment. Tout de bon? Tout de bon. N'ai jamais eu d'autre licence. Quel diable d'homme m'avez-vous là amené? Je vous avais bien dit que c'était un médecin goguenard. Oui, mais je l'enverrai pas mener avec sa goguenarderie. Vous prenez pas garde à ça, monsieur. Ce n'est que pour rire. Cette râlerie ne me plaît pas. Monsieur, je vous demande pardon de la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je suis fâché. Rien. Des coups de bâton. Il n'y a pas de mal. Que j'ai eu l'honneur de vous donner. Ne parlons plus de ça. Monsieur, j'ai une fille. Vous? Oui, j'ai une fille qui est tombée dans une étrange maladie. Je suis ravi, monsieur, ravi que votre fille ait besoin de moi. Et je souhaiterais de tout mon cœur que vous en eussiez besoin aussi. Vous et toute votre famille, pour vous témoigner l'envie que j'ai de vous servir. Je vous suis obligé de ces sentiments. Je vous assure, c'est du meilleur de mon âme que je vous parle. Vous pas. Comment s'appelle votre fille? Lucin. Lucin. Bon nom à médicamenter. Lucinda, Lucindus. Lucin d'homme.
Je m'en vais voir un peu ce qu'elle fait. Et qui est cette belle femme-là? C'est la nourrice d'un petit enfant que j'ai fait. Peste, le joli meuble que voilà. Ah, nourrice, charmante nourrice. Ma médecine est la très humble esclave de votre nourricerie. Et je voudrais être le petit poupon fortuné qui t'étale le lait de vos bonnes grâces. Toute ma médecine, tous mes remèdes, toute ma capacité est à votre service. Et... Avec votre permission, monsieur le médecin, laissez-la ma femme, je vous prie. Quoi? Elle est votre femme? Ouais. Oh, vraiment, je ne savais pas cela. Et je m'en réjouis, pour l'amour de l'un et de l'autre. Eh, t'es digue, monsieur le médecin, je ne fais pas tant de compliments, je vous supplie. Bah, ne voulez-vous pas que je me réjouisse avec vous d'un si bel assemblage? Avec moi, tant qu'il vous plaira. Mais avec ma femme, trêve de cérémonie. Mais je prends part également au bonheur de tous deux. Et si je vous embrasse pour vous témoigner ma joie, je l'embrasse de même pour l'en témoigner aussi. Eh, va piquer, monsieur le médecin, toi de l'antiponage. Monsieur le médecin, ma fille vous attend. Je vous suis, monsieur, avec toute ma médecine. Où est-elle? Là-dedans. Fort bien. Mais comme je m'intéresse à toute votre famille, il faut que j'essaie de l'aide de votre nourrice et que je visite son sein. Non, 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 je n'avons que faire de ça. C'est l'office des médecins de voir les tétons des nourrices. Gnoc, fisqui, kiel, je suis votre serviteur. As-tu bien l'air de t'opposer aux médecins? Hors de là. Je me moque de ça. Je te donnerai la fièvre. Ôte-toi de là aussi. Est-ce que je suis point assez grande pour me défendre moi-même? Si vous faites quelque chose qui soit point à faire... Je veux pas qu'il tente, moi. Fille vilain qui est jaloux de sa femme. Est-ce là la malade? Oui, monsieur. Je n'ai qu'elle deux filles, et j'aurais tout le regret du monde si elle venait à mourir. Qu'elle s'en garde bien. Il ne faut pas qu'elle meure sans l'ordonnance du médecin. Vite, un siège. Eh ben, mais voilà une malade qui n'est point tant dégoûtante. Et je tiens qu'un homme bien sain s'en accommoderait assez. Vous l'avez fait rire, monsieur. Tant mieux, monsieur, tant mieux. Quand le médecin fait rire la malade, c'est le meilleur signe du monde. Eh bien, de quoi est-il question? Qu'avez-vous? Quel est le mal que vous sentez? O-I-O-A. Quoi? O-I-O-A. Que dites-vous? O-I-O-A, O-I-O-A. O-I-O-A, je ne vous entends point. Quel diable de langage est-ce là? Monsieur, c'est là sa maladie. En yon. Elle est devenue muette sans que jusqu'ici on ait pu savoir la cause. Et c'est un accident qui a fait reculer son mariage. Pourquoi cela? Parce que celui qu'elle doit épouser veut attendre sa guérison pour conclure les choses. Et qui est ce sot-là qui ne veut pas que sa femme soit muette? Ah! Plus t'as Dieu que la mienne eut cette maladie, je me garderai bien de la vouloir guérir. Enfin, nous vous prions d'envoyer tous vos soins pour la soulager de son mal. Ne vous mettez pas en peine. Et dites-moi, ce mal l'oppresse-t-il beaucoup? Beaucoup. Tant mieux. Sent-elle de grandes douleurs? Oui, fort grandes. C'est fort bien fait. Et va-t-elle, vous savez? Oui. Copieusement? Je ne m'entends pas à ces choses. La matière est-elle louable? Je n'entends rien à cela. Donnez-moi votre bras. Voilà un pouls qui marque que votre fille est muette. Eh oui, monsieur, c'est là sa maladie. Vous l'avez trouvée du premier coup. Voyez comme il a deviné sa maladie. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Mais moi, je touche au but du premier coup. Et je vous apprends que votre fille est muette. Oui, mais je voudrais bien que vous puissiez dire d'où cela vient. Il n'y a rien de plus aisé, cela vient de ce qu'elle a perdu la parole. Fort bien. Mais la cause, s'il vous plaît, qui fait qu'elle a perdu la parole? Tous nos meilleurs auteurs vous diront que c'est l'empêchement de l'action de sa langue. Mais encore, vos sentiments sur cet empêchement de l'action de sa langue. Mes sentiments à moi? Oui. Aristote
là-dessus, dit de fort belles choses. Oh, c'était un grand homme, je crois. Grand homme tout à fait. Un homme qui était plus grand que moi de tout ça. Pour en revenir à notre raisonnement, je tiens que cet empêchement de l'action de sa langue est causé par de certaines humeurs qu'entre nous autres savants nous appelons humeurs pécantes. Pécantes, oui. C'est-à-dire humeurs pécantes. D'autant que les vapeurs formées par les exhalaisons des influences qui s'élèvent dans la région des maladies venant, pour ainsi dire, entendez-vous le latin? Pas d'aucune façon. Vous n'entendez pas le latin? Non. Cabricias, arsituram catalamus singularitaire nominativo et musa, la muse. Bonus bonabolum, deus sanctus est ignoratio latina. Etiam, oui, quare, pourquoi, scua substantivo et adjectivum, concordat in generi numerum et casus. Et casus. Oh, que n'ai-je étudié? L'homme que voilà. Ouais, c'est si bien dit que je n'y entends le goût. Or, ces vapeurs dont je vous parle, venant à passer du côté gauche, où est le foie, au côté droit, où est le cœur, il arrive que le poumon, que nous appelons en latin armiam, armiam, ayant communication avec le cerveau, que nous nommons en grec nosmus, par le moyen de l'avant-garde, que nous appelons en hébreu rencontre en son chemin les dites vapeurs qui remplissent les ventricules de l'homoplate. Et parce que les dites vapeurs, écoutez bien ceci, je vous prie, et parce que les dites vapeurs ont une certaine malignité, comprenez bien ce raisonnement, je vous conjure, ont une certaine malignité qui est causée, soyez attentifs s'il vous plaît, je suis, qui est causée par l'âcreté des humeurs engendrées dans la concavité du diaphragme, il arrive que ces vapeurs, os abundus, nez cuisse, nez cuir, potarinum, vipsamilus. Et voilà justement ce qui fait que votre fille est muette. Oh, que ça ait badi notre homme. Connais-je la langue aussi bien pendue? On ne peut pas mieux raisonner sans doute. Et il n'y a qu'une chose qui m'a choqué. C'est l'endroit du foie et du cœur. Il me semble que vous les placez autrement qu'ils ne sont. Que le cœur est du côté gauche et le foie du côté droit. Ah oui, oui, cela était ainsi autrefois. Mais nous avons changé tout cela. Et nous faisons maintenant la médecine d'une méthode toute nouvelle. C'est ce que je ne savais pas. Je vous demande pardon de mon ignorance. Il n'y a pas de mal à cela. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi habile que nous. Eh bien, monsieur, que croyez-vous qu'il faille faire à cette maladie? Ce que je crois qu'il faille faire, oui. Mon avis est qu'on la remette sur son lit et qu'on lui fasse prendre pour remède quantité de pain trempé dans du vin. Pourquoi cela? Parce qu'il y a dans le pain et le vin mêlés ensemble une vertu sympathique qui fait parler. Ne voyez-vous pas bien qu'on donne autre chose aux perroquets et qu'ils apprennent à parler en mangeant cela? Cela est vrai, oh l'admirable médecin! Vite, quantité de pain et de vin! Doucement, vous. Voilà une nourrice à laquelle il faut que je fasse quelques petits remèdes. Qui, moi? Je me porte le mieux du monde. Tant pis, nourrice, tant pis. Cette grande santé est à craindre. Il ne serait pas mauvais de vous faire quelques petites saignées amiables et de vous donner quelques petits clistères dulcifiants. Monsieur, voilà une mode que je ne comprends pas. Pourquoi s'aller faire saigner lorsque l'on n'a point de maladie? Il n'importe, la mode en est salutaire. Et de même que l'on boit pour la soif à venir, il faut se faire saigner pour la maladie à venir. Ma fille, je me moque bien de ça. Et je vais pouvoir faire de mon corps une boutique d'apothicaire. Vous êtes réquivore med, mais je saurais vous soumettre à la raison. Je vous donne le bonjour. Attendez un peu. Que voulez-vous faire, monsieur? Vous donnez de l'argent, monsieur. Je n'en prendrai pas, monsieur. Monsieur! Point du tout. Un petit moment. En aucun moment. De grâce! Vous moquez. Voilà qui est fait. Je n'en ferai rien. Voilà. L'argent ne me fait point d'agir. Je le sais. Fait-il de quoi? Oui, monsieur. Je ne suis point un médecin mercenaire. Je crois. L'intérêt ne me gouverne point. Je n'ai pas cette pensée. Thank you.
longtemps que je vous attends et je viens implorer votre assistance. Voilà un pouls qui est fort mauvais. Mais monsieur, je ne suis pas malade et ce n'est pas pour cela que je viens à vous. Si vous n'êtes pas malade, que diable, ne le dites-vous tout de suite? Non. Pour vous dire la chose en deux mots, je m'appelle Léandre, qui suis amoureux de Lucinde, que vous venez de visiter. Et comme par la mauvaise humeur de son père, toutes sortes d'accès m'est fermé auprès d'elle, je me hasarde à vous prier de bien vouloir servir mon amour pour me donner lieu d'exécuter un stratagème que j'ai trouvé, d'où dépendent absolument mon bonheur et ma vie. Pour qui me prenez-vous? Comment, monsieur, osez vous adresser à moi pour vous aider dans votre amour et vouloir ravaler la dignité de médecin à des emplois de cette nature? Monsieur, ne faites pas de bruit. Pas me faire, moi, vous êtes un impertinent. Mais monsieur... Un mal avisé. Apprenez que je ne suis pas Thomas Lake, c'est une insolence extrême de mais vouloir m'employer. De grâce. Je ne parle pas pour vous car vous êtes un honnête homme, mais je serais ravi de vous rendre service. Mais il y a de certains impertinents au monde qui viennent prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas, et je vous avoue que cela me met en colère. Je vous demande pardon de la liberté. Vous vous moquez, de quoi est-il question? Vous saurez donc, monsieur, que cette maladie que vous voulez guérir est une feinte maladie. Les médecins ont raisonné là-dessus comme il convenait, et ils n'ont pas manqué de déclarer que cela provenait qui du foie, qui du cœur, qui des entrailles, qui de la rate. Mais il est bien certain que l'amour en est la véritable cause, et que Lucinde n'a trouvé cette maladie que pour se débarrasser d'un mariage dont elle était importunée. Et... Mais de peur qu'on nous voit ensemble, retirons-nous d'ici et je vous dirai en marchant ce que je souhaite de vous. Allez, monsieur, vous m'avez donné pour votre amour une tendresse qui n'est pas concevable. Et j'y perdrai toute ma médecine. Ou la malade crèvera, et ou elle sera à vous. Ah. Il me semble que je ne suis pas mal ainsi pour un apothicaire. Et comme le père ne m'a guère vu, ce changement d'habit et de perruque est assez capable, je crois, de me déguiser à ses yeux. Sans doute. Et tout ce que je souhaiterais serait de savoir 5 ou 6 grands mots de médecine pour parer mon discours et me donner l'air d'habile homme. Allez, allez, tout cela n'est pas nécessaire. Il suffit de l'habit et je n'en sais pas plus que vous. Comment? Diable emporte si j'entends rien en médecine. Vous êtes honnête homme. Je peux bien me confier à vous comme vous vous êtes confié à moi. Quoi? Vous n'êtes pas effectivement... Non, vous dis-je. Ils m'ont fait médecin malgré mes dents. Je ne m'étais jamais mêlé d'être aussi habile que cela, et mes études n'ont été que jusqu'en 6e. Cependant, vous ne sauriez croire combien l'erreur s'est répandue, comme chacun est endiablé à me croire un habile homme. On vient chercher de tous côtés. Et si les choses vont toujours de même, je suis résolu de m'en tenir à la médecine toute ma vie. Je trouve que c'est le meilleur métier de tous. Car soit qu'on fasse bien, soit qu'on fasse mal, on est toujours payé de même sorte, et nous taillons comme il nous plaît dans l'étoffe où nous travaillons. Un cordonnier, en faisant des souliers, ne saurait gâter un morceau de cuir qu'il n'en paie les peaux cassées. Mais ici, on peut gâter un homme sans qu'il en coûte rien. Les bévues ne sont jamais pour nous, et c'est toujours la faute de celui qui meurt. Enfin, le bon de cette profession, c'est qu'il y a parmi les morts une honnêteté et une discrétion, la meilleure de toutes. Et jamais on n'en voit se plaindre du médecin qui l'a tué. Il est vrai que les morts sont fort honnêtes gens sur cette matière. Voilà des gens qui ont la mine de me venir consulter. Allez-vous-en toujours m'attendre auprès du logis de votre maîtresse. Monsieur, je venons vous chercher, mon fils Perrin et moi. Qui est-il? Sa pauvre mère qui a un nom parette et dans un lit malade il y a 6 mois. Et que voulez-vous que j'y fasse? Je voudrions, monsieur, que vous nous bannissiez que petite drôlerie pour la galerie. Il faudrait d'abord voir de quoi est-ce qu'elle est malade. Elle est malade d'hypocrisie, monsieur. L'hypocrisie? Oui, c'est-à-dire qu'elle est enflée partout. Et l'on dit que c'est quantité de sériosité qu'elle a dans le corps. Et que son fouet, son ventre, ou sa rate, comme vous voudrez l'appeler, au lieu de faire du sang, elle ne fait plus que de l'eau. Elle a de 2 jours la fièvre quotidienne, avec des lassitudes et des douleurs dans les muscles des jambes. On entend dans sa gorge des flemmes tout près à l'étouffer. Et il y prend parfois des syncoles et des conversions que je craignons qu'elle ait pensé. J'avoue dans notre village un apothicaire, révérence parlée, qui lui a donné je ne sais combien d'histoires. Mais tout ça, comme dit l'autre, c'est de l'onguen miton-mitaine. Il voulait lui bailler d'une certaine drogue qu'on appelle du vin à méthyl. Mais j'ai eu peur franchement que ça l'envoyait à Patrès. Et l'on dit que ces gros médecins vous tuent beaucoup de monde avec cette invention-là. Venons au fait, mon ami, venons au fait. Le fait est, monsieur, que je venons vous prier de nous dire ce qu'il faut que je fassions. Je ne vous entends point du tout.
monsieur, ma mère est malade, et voilà deux écus que je vous apportons pour nous bailler que cremède. Ah, je vous entends, vous. Voilà un garçon qui parle clairement et qui s'explique comme il faut. Vous dites que votre mère est malade d'hydropisie, qu'elle est enflée par tout le corps, qu'elle a la fièvre avec des douleurs dans les jambes, et qu'il lui prend parfois des syncopes et des convulsions, c'est-à-dire des évanouissements. Eh oui, monsieur, c'est justement ça. Je vous ai compris tout d'abord. Votre père ne sait ce qu'il dit. Et vous voulez que je vous donne un remède? Oui, monsieur. Un remède pour la guérir? C'est comme je l'entends, donc. Tenez, voilà un morceau de fromage, dans lequel il entre de l'or, du corail, des perles et quantité d'autres choses précieuses. Oh, monsieur, je vous sens bien obligé, et j'allons lui faire prendre ça tout à l'heure. Allez, et si elle meurt, ne manquez pas de la faire enterrer du mieux que vous pourrez. Oh, voilà la belle nourrice. Ah, belle nourrice, je suis ravi de cette rencontre. Votre vue est la rhubarbe, la casse et le séné qui purge toute la mélancolie de mon âme. Ça me fait gay, monsieur le médecin. Ça est trop bien dit pour moi. Et j'entends rien tout votre lot. Oh, devenez malade, nourrice, je vous en prie. Devenez malade pour l'amour de moi. J'aurai la plus grande joie du monde de vous guérir. Je suis votre servante. J'aime pas mieux qu'on me guérisse pas. Oh, que je vous plains, belle nourrice, d'avoir un mari jaloux et fâcheux comme celui que vous avez. Que voulez-vous, monsieur? C'est pour la pénitence de mes fautes. Là où la chèvre est liée, faut vaincre les broutes. Comment un rustre comme cela, un homme qui vous observe toujours et qui ne veut que personne ne vous parle? Là, monsieur, vous n'avez rien vu encore. C'est qu'un petit échantillon de sa mauvaise humeur. Est-il possible? Et qu'un homme ait l'âme assez basse pour maltraiter une personne telle que vous? Ah, que j'en sais, belle nourrice, et qui ne sont pas loin d'ici. Qui se tiendrait pour bienheureux de baiser seulement le petit bout de vos petits petons? Pourquoi faut-il qu'une personne si bien faite soit tombée en de pareilles mains? Et qu'un brutal, un stupide, un franc animal? Pardonnez-moi, belle nourrice, si je parle ainsi de votre mari. Monsieur, je sais pas qui mérite tous ces noms-là. Sans doute il les mérite. Et il mériterait aussi que vous lui missiez quelque chose sur la tête pour le punir des soupçons qu'il a. Il est ben vrai que si j'avais devant les yeux que son intérêt, il pourrait m'obliger à quelque étrange chose. Par ma foi, belle nourrice, vous ne feriez pas mal de vous venger de lui avec quelqu'un. C'est un homme entre nous qui mérite cela. Et si j'étais assez heureux, belle nourrice, pour être choisi, pour... Wood, je te donnerai la fièvre. Nika, n'as-tu pas vu notre médecin? Eh oui, partout les diantres, je l'ai vu. Et ma femme aussi. Mais où est-ce qu'il peut être? Ah, je ne sais, mais je voudrais qu'il fût à tous les guerres. Ah, nourrice, va-t'en voir un peu ce que fait ma fille. Ah, monsieur, je demandais où vous étiez. Je m'étais amusé dans votre cour à expulser le superflu de la boisson. Comment se porte la malade? Un peu plus mal depuis votre remède. Tant mieux, c'est signe qu'il opère. Oui, mais en opérant, je crains qu'il ne l'étouffe. Vous mettez point en peine. J'ai des remèdes qui se moquent de tout et je l'attends à l'agonie. Quel est cet homme-là que vous avez? C'est... Quoi? Celui qui... Je vous entends. Votre fille en aura besoin. Marcher. Ça lui fera du bien. Allez-vous-en, monsieur l'apothicaire, tâtez un peu son pouls, afin que je raisonne avec vous tantôt de sa maladie. Monsieur, c'est une grande et subtile question entre les docteurs de savoir si les femmes sont plus faciles à guérir que les hommes. Je vous prie de bien écouter ceci, s'il vous plaît. Les uns disent que non, les autres disent que oui, et moi, je dis que oui et non. D'autant que l'incongruité des humeurs opaques qui se rencontrent au tempérament naturel des femmes est en cause que la partie brutale veut toujours prendre empire dessus la sensitive, on voit que l'inégalité de leurs opinions dépend du mouvement oblique du cercle de la Lune. Et comme le soleil qui darde ses rayons sur la concavité de la Terre trouve... Non,
Léon, je ne suis point du tout capable de changer de sentier. Voilà ma fille qui parle. Oh, grand vertu du remède, oh, admirable médecin, que je vous suis obligé, monsieur, de cette guérison merveilleuse, et que puis-je faire pour vous après un tel service? Ah, voilà une maladie qui m'a donné bien de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la parole, mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai point d'autre époux que Léandre et que c'est inutilement que vous voulez me donner Horace. Mais... rien ne peut ébranler la résolution que j'ai prise. Vous m'opposerez enfin de belles raisons. Quoi? Tous vos discours ne serviront de rien. Si. C'est une chose où je suis déterminée. Mais... les puissances paternelles qui me puissent obliger à me marier malgré moi. Quoi? Vous avez beau faire tous vos efforts, mon si. Cœur ne saurait se soumettre à cette tyrannie et je me jetterai dans un couvent plutôt que d'épouser un homme que je n'aime point. Non, d'aucune façon, point d'affaire, vous perdez le temps, je n'en ferai rien, cela est résolu. Elle est guérie. Il n'y a pas moyen d'y résister. Quelle impétuosité de parole! Monsieur, je vous prie de la faire redevenir muette. Ah, c'est une chose qui ne m'est pas possible. Tout ce que je puis faire pour votre service, c'est de vous rendre sourd, si vous voulez. Je vous remercie. Penses-tu? Non, tous vos discours ne changeront rien sur mon âme. Tu épouseras Horace dès ce soir. J'épouserai plutôt la mort. Mon Dieu, arrêtez. Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient, et je sais le remède qu'il y faut apporter. Serait-il possible, monsieur, que vous puissiez guérir aussi cette maladie de l'esprit? Oui, laissez-moi faire. J'ai des remèdes pour tout. Et voici notre apothicaire qui nous aidera dans cette cure. Un mot. Vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour se les rendre est tout à fait contraire aux volontés du père. Qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fortes et gris, et qu'il faut trouver promptement un remède à ce mal qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y en vois qu'un, qui est une prise de fuite purgative que vous mêlerez comme il convient avec 2 drachmes de matrimonium en pilule. Peut-être fera-t-elle quelques difficultés pour prendre ce remède, mais vous êtes habile homme dans votre métier, c'est à vous de l'y résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Allez-vous-en lui faire un petit tour de jardin pour préparer les humeurs, tandis que j'entretiendrai ici son père. Mais surtout, ne perdez point de temps. Au remède, vite, au remède spécifique. Monsieur, quelles drogues sont celles que vous venez de dire? Il me semble que je ne les ai jamais ouï nommer. Ce sont des drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne? Les filles sont quelquefois un peu têtues. Vous ne sauriez croire comme elle est affolée, monsieur Léon. La chaleur du sang fait cela dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai découvert la violence de cet amour, j'ai su tenir ma fille toujours enfermée. Vous avez fait sagement. Et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication ensemble. Fort bien. Il serait arrivé quelque folie si j'avais souffert qu'il se fût eu. Sans doute. Et je crois qu'elle aurait été fille à s'en aller avec lui. C'est prudemment raisonné. J'empêcherai bien qu'il ne la voie. Il n'a pas affaire à un saut. Vous savez des rubriques qu'il ne sait pas. Plus fin que vous, n'est pas bête. Ah, pas le sanguin, monsieur, voilà bien du tintamarre. Votre fille s'en est enfuie avec son liant. C'est lui qui était l'apothicaire. Et voilà monsieur le médecin qui a fait cette belle opération-là. Comment l'assassiner, la chose? Un commissaire et qu'on empêche qu'il me sorte. Ah, traître, je vous ferai punir par la justice. Ah, pas de ma fille, monsieur le médecin, vous serez pendu. Ne bougez de là seulement. Oh, mon Dieu, j'ai eu peine à trouver ce logis. Oh, dites-moi un peu des nouvelles du médecin que je vous ai donné. Le v'là, qui va être pendu. Quoi? Mon mari pendu? Et là, et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait enlever la fille de notre maître. Et là, mon cher mari, est-il bien vrai qu'on va te pendre? Tu vois, j'attends. Faut-il que tu te laisses mourir en présence de tant de gens? Et veux-tu que j'y fasse? Si seulement t'avais achevé de couper notre bois, je prendrais toute consolation. Oh, tire-toi de l'œil.
Tu me fends le cœur. Non, je veux demeurer pour t'encourager à la mort. Et je ne te quitterai point que je ne t'aille vu pendu. Le commissaire viendra bientôt. Et l'on va vous mettre en droit où l'on répondra de vous. Hélas, cela ne pourrait-il se changer en quelques coups de bâton? Non, non, non. La justice en ordonnera. Monsieur, votre vertu m'est tout à fait considérable, et je vous donne ma fille avec la plus grande joie du monde. Eh ben, la médecine l'a échappé belle. Puisque tu ne seras point pendu, rends-moi grâce d'être médecin, car c'est moi qui t'ai procuré cet honneur. Ouais, c'est toi qui m'as procuré aussi je ne sais combien de coups de bâton. Les faits en sont trop beaux pour en garder du ressentiment. Alors, soit je te pardonne ces coups de bâton en faveur de la dignité où tu m'as élevé, mais prépare-toi désormais à vivre dans un grand respect avec une personne de ma conséquence. Et songe que la colère d'un médecin est plus à craindre qu'on ne peut croire. Ha 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 ha!